Eh bien salut tout le monde, c'est Clément et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et pour commencer la semaine, j'ai décidé de vous parler des phénomènes du rap actuel. Donc j'ai décidé de vous faire ça en top 10, donc ça va être mon top 10, uniquement pour le rap évidemment. Et vous qui regardez cette vidéo, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou sinon donnez-moi votre top 10 dans les commentaires. Après comme on dit, chacun ses goûts, mais ça m'intéresse quand même de voir le vôtre. Pour commencer le classement, moi je mettrai le prince de l'afro-trap à la première position, qui est partout en ce moment, je parle évidemment de MHD. Je pense que dans tous les cas, tout le monde le connaît maintenant. Tout le monde parle de lui, des feats avec Booba, Black M, tout ça. Il se met vraiment bien, il fait parler de lui et tant mieux pour lui. En deuxième position, c'est franchement le buzz du moment avec près de 15 millions de vues en seulement 3 semaines. Je parle bien sûr de PNL. Je connais. Pas les couilles pour eux, je suis N. Pas les couilles, c'est pété même pas. Donc eux, on peut leur donner, je pense, notre respect quand même, car PNL font quasiment pas de promo, on les voit pas dans les radios, ni dans les émissions de télé, et pourtant un putain de succès, car tout simplement, ils sont soutenus par toutes les cités de France, tous les jeunes de France, quasiment, voire même plus, car avec ce record, PNL est remonté jusqu'aux États-Unis, et tant mieux pour eux, car ils le méritent franchement. À la troisième position, j'ai mis DTF, car il y a pas mal de sons au top, on les voit partout également. Je suis pompé, pompé dans la navette, et je barre au je me sens pas net, tu ailleurs, ailleurs, loin de la terre. Pour les frères qui se reconnaissent, suffisait d'un regard, on se comprenait. Des millions de vues aussi, mais pas de quoi faire peur encore à PNL. Mais pour bientôt, je pense, car ils montent très vite dans le domaine du rap. Quatrième position, voici un rappeur pas autant connu, mais avec beaucoup de talent quand même. C'est MRC. Bah les couilles, des balles, les vernes et des bâtards et des meudins. Trop là, le dard, trop les nerfs, le manque de bifton, c'est que d'un. Pour la daronne, veut le baller, décaler, déballer comme ballot, détester, défaillir. Je l'ai découvert il y a pas longtemps et après avoir maté un petit peu toutes ses vidéos, c'est juste nickel, il a un bon flow, perso j'aime bien, bravo à lui. Nous voici à la moitié de ce classement et j'ai mis Jaja et Dinaz. Eux aussi sont installés depuis un moment dans le rap et ils sont clairement sur le même chemin que PNL. Et d'ailleurs, ils ont récemment essayé de les confronter en publiant leur nouveau son en même temps que PNL, même jour, même heure. Ce qui a plutôt bien marché quand même. On est maintenant à la 6ème position de mon classement des rappeurs du moment et j'ai mis MMZ. Hey, la main, je suis à l'aime, je la casse sur ta tête, poteau, c'est pas la mienne. Vas-y, viens, je t'emmène. À travers mon peur, t'as fait ci, t'as fait ça. Je t'ai pas écouté, c'était du cinéma. Bye, bye, bye. Donc eux c'est les mini PNL, ils envoient du lourd aussi avec des beaux clips qui font rêver. À la 7ème position voici Ous. Je suis partout dans les télés, en playlist, en poster. La violence j'ai grandi avec et ça était comme hiver. Lève ton verre à ma santé parce que chanter je sais le faire. Marche seul m'a dit mon père. Qui est un peu moins connu mais qui lâche des vrais sons, un peu plus posé mais avec des vérités. Moi perso j'aime bien son style, franchement c'est propre. 8ème position, j'ai mis PSO Thug. Je reconnais même plus mes proches. Ça devient chelou, je crois qu'on fait des jaloux. Si tu parles, on te serre ton cou. La poudre est pesée, tout est bon, tout est prêt. Le forfait du chiffre comme toujours. J'ai jamais changé, le flingue est nettoyé. Pour mon gang, j'ai beaucoup trop d'amour. Pareil, du bon son et surtout celui de Sadek. Après voilà c'est mon avis mais après je pense qu'ils vont monter aussi car ils commencent à bien s'entourer dans le rap. On approche bientôt de la fin de ce classement mais pour le moment on regarde la 9ème position et c'est pour moi STH avec du rap un peu plus lugubre mais qui envoie vraiment du lourd. Faut que je la sorte du commun. Avec ou sans love, stoppé par le temps, l'ego, la mort du meuf. Je cause au mur, j'entends dans ses murmures que j'ai mis son cœur en lambeau. Enfin, qui a envoyé du lourd, mais là, avec son dernier son, c'était bof, donc il est dans le classement, mais il nous a montré mieux, donc je le laisse à la 9ème position. Alors attention, pour la dernière place, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais j'ai décidé de mettre malgré tout le rappeur de Marseille avec la voix bien auto-tunée, c'est évidemment Jules.
Donc c'est pareil, tout le monde le critique, mais il taffe beaucoup et compte quand même plus de 300 millions de vues sur sa nouvelle chaîne YouTube. Avec 1 million d'abonnés, c'est vraiment énorme. Et depuis un mois, il publie tous les jours un son de son album gratuit. C'est le seul à le faire et ça fonctionne bien, malgré que les gens le critiquent. Alors tant mieux pour lui et qu'il continue à faire ce qu'il aime. Donc voilà les amis, c'était mon top 10 des rappeurs que j'écoute en ce moment. Donc c'est vraiment ceux du moment, sinon j'aurais parlé des autres comme Lacrim, Alonso, Rof Booba et tous les autres bien connus. A vous les gars et les filles de me dire votre top 10 des rappeurs du moment ou tout simplement votre numéro 1. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. À la commenter, à la partager et vous pouvez même vous abonner. Et nous on se retrouve demain 7h30 pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.